Bon, ce matin, rassemblement à Vaux. On va aller voir tous ces beaux petits jouets. Allez, c'est parti. Un beau break. Conduite à droite, s'il vous plaît. Pas mal. Et oui, il en fait partie, hein, l'Espace Renault, sans doute première génération. C'était sympa. Surface vitrée est gigantesque. Et puis toujours ce salon intérieur. Sympa de pouvoir retourner les sièges comme ça. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Bah ouais, bah ouais. Ça fait une semaine que j'ai la nouvelle capote là. Une semaine. Ouais, ça sent le neuf ça. Hein. Faut que ça se tende. Faut que ça se tende. Ouais. Bon, là, faut un peu de place pour garer ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah oui. Là faut s'appliquer. Hein. Bonjour. Ouais, ça fait du bien. Ça va bien? C'est bon pour les articulations. Hein. Exactement. Voilà. Ça devrait être bon. Hein. Bon là on est vraiment dans le monde des ancêtres. Hein. L'une comme l'autre, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Nickel. À l'exposition des deux roues, c'est au bout là-bas, grillage. BR5, hein. Super bêta. Alpine 110 à 110 nouvelle génération.
toujours aussi belles, les Alpines. Et bien sûr, la doyenne, la voilà. Belle auto. Type Racing pour celle-ci. Oh là là, dans l'autre sens, la Bugatti. Hop, 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 hop. Pas d'adresse, pas de téléphone, pas de mail, rien. Non mais c'est vrai que je vais aviser que l'eau. Et l'avantage, il n'y a pas que le terrain de toujours la Dauphinon Gordini. Celle que je dois traiter en reportage, mais on en parle depuis déjà plusieurs mois. Mais comme c'est pas souvent, on va s'entraîner un peu, mais on va y revenir. Turbo. Oui. Benité. Là, c'est pas le même genre. Là non plus. Là, c'est autre chose. On est chez les sportifs de chez Sportive. Bon, affiche presque complet, hein. Ça va? Ça rouille. Ah oui, vous avez le droit. Bonjour. Mais c'est payant. C'est quelle année la boîte 204? C'est 2015. Regardez. Regardez. Je blague, hein. Je ne peux pas le prendre. Les gars du midi, avec mon accent, ils blaguent. 23 décembre 74. 74. Et donc, ils avaient la vignette. Ouais. La vignette des vieux. Oui, c'était ça. C'était pour les vieux. Mais non, on est vieux, on n'a pas de vignette. Non. Vous l'avez depuis cette époque-là? Non. Non. Elle a eu d'autres propriétaires. Parce que moi, j'ai appris à conduire sur une 204. Hein. Je n'ose pas vous dire à quel siècle. Et en 1967, j'ai appris à conduire. Et après, bon, à la retraite, je me suis acheté. Pour me faire plaisir. Oui. Et vous l'avez depuis combien de temps, là? Oh, 6-7 ans. D'accord. Elle est en bel état, hein. Oui, dessous, comme ça. Comme ça, pas un point de roue. Et le gars qui fait les contrôles techniques, il m'a dit, je n'ai jamais vu. Ah ouais, elle est super nickel.
c'est quand je la gare au mauvais endroit, je mets en panne. Mais ça vous arrive pas souvent. Les gars du Vimy, en panne, jamais elle est. Il y a de la place là, hein. Ah, moi. Ah, là, ça va. Voilà, de quoi poser le casse-croûte. Bah voilà, vous avez, ouais, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est bien. Non, non, ici, avec ça, je suis pas trop... je suis pas trop emmerdé. Hein. C'est quelle année, ça? Elle est de 89. Ah non, je voyais ça plus ancien. Ah, ça aurait pu, mais celle-là est de 89. Mais elle a un truc, hein. Elle a la conduite à droite. Oui, j'ai vu. Je vous ai vu quand vous êtes arrivé. Alors, une heure à vitesse. Alors, dans cette couleur-là, je connaissais pas. On va essayer de se renseigner quand même, parce que j'ai un doute. Des rembourrages du dossier. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça va, les gens ? Il y a de la Citroën, là, je n'avais pas vu. Il est S. Toujours sympa à voir en DS. C'était quand même l'exception de l'époque. Le bruit caractéristique de l'Alpha. Sympa. Super Porsche, ça. Ouais.